Il est Jean, donc on se retrouve pour le jour 20 avec les problèmes de ration. Et puis on va donner à boire comme d'habitude pour la nourriture. On rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau. Oui, une fois qu'il y aurait de superbes gâteaux, mais c'est un pudding à l'arsenic. Mon dieu, pudding à l'arsenic, comment tuer quelqu'un? Mon dieu, c'est une référence à Astérix, j'ai l'impression. Jour 21. Après, s'en être sorti, Dolores va plutôt bien. Tess était calme ce matin. On va redonner de l'eau. Ils veulent lui donner de l'arsenic ou quoi? On essaie de la faire parler avec le lire. Ouais, ok, d'accord. Dans ces conditions, Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Peut-être va bien. Ok. Si seulement on pouvait s'en aller. Oui, en même temps, vous êtes un peu dans un abri atomique, donc c'est un peu normal. Putain, j'espère qu'il va rentrer, Timmy, hein, parce que sinon on est mal. Télé, hein, ils vont bien. Putain, la bouffe, ça va être dur. La radio pour laisser place à un message de l'armée. On allait sortir quand ils... Ah, oh, j'ai la carte. Le lieu est exact. Hein. Il nous faut une carte pour déterminer où ça se situe. C'est cool d'avoir la carte. Ah, il est de retour. C'est moi ou il a... Mais on a été repéré et suivi. Au fait, il nous envoie de l'aide. Nous ne sommes pas des communistes. Il vaut mieux se jeter dessus. Notre expédition s'est mise en route juste avant de... Une caisse de provisions, on a trouvé des choses intéressantes. Oh. Pourquoi nous ont-ils envoyé des canards en plastique? C'est pas mal ça. Nous avons réussi. Hein. Le masque à gaz était bien pratique pour ne pas sentir le fromage. C'est cool, on a un masque à gaz du coup. Du coup, on a à manger et à boire. Hop là, tout le monde aura une ration. On va envoyer Ted. Jour 24. On n'a pas de munitions. Je sais pas à quoi je vais appeler le servir. Une munition peut-être à utiliser plusieurs fois le fusil. Et comme on n'a pas le fusil. Timmy est affamé. Putain, ils sont tous épuisés. Hein. À part Ted. Timmy a faim et hop. Alors Ted, tu vas partir avec la valise. Je crois que je l'ai encore. Non, décidément, la valise elle leur a servi. Hein. Il va falloir que Ted retrouve de la bouffe parce que pour atteindre le jour 40, ça va être dur. Hein. Putain, ils sont en état. Timmy est affamé, Timmy est reposé. Putain, ça va être compliqué. On a entendu quelqu'un frapper un, on a trouvé une valise sur le seuil. Cette fois-ci, je vais dire oui, je prends des risques hein, pour la deuxième partie. Je crains le pire. On n'a jamais assez d'eau. Oh, on a eu une bouteille d'eau. Merde, j'ai pas lu. Timmy a l'air de... Oui, c'est bon. Ils vont bien, mais on va quand même leur donner de l'eau, parce que de l'eau, on en a beaucoup. Ouais, ils sont disputés pour des trucs banals. En même temps, ils sont tous quatre enfermés dans un petit machin. Pour 28, on s'approche doucement, mais sûrement du jour 40. Mais à mon avis, on va perdre avant. A l'air d'aller bien aujourd'hui. Non, aujourd'hui, Joris n'a pas fait de vague. Donc, ça a l'air d'aller. Et cette radio, j'espère qu'il y a quelque chose qui passe. Pour l'instant, à part le cadenas, on n'a pas perdu grand-chose. Il faut le jeu de cartes aussi, éventuellement. Rien que des interférences, ok. Tout va bien, on va leur donner à boire, parce que ça va être dur. On a toujours pas décidé. Ils n'ont toujours pas décidé quel jeu hors de jeu, pourtant ils ont un jeu de cartes devant eux. Hein. Jour 30. J'espère qu'il va pas mourir, peut-être, parce que...
n'est pas inquiète du tout. On va leur donner à boire cette fois-ci, parce que sinon ils vont finir par contre ça. Le truc qui rendait toutes ces choses bien, mais voilà, une pluie de bombes ça aide pas. Alors ensuite, jour 31, et bah dis donc. Ah. Si on récolte, il vaut mieux choisir les bonnes graines. A besoin d'un peu de nourriture, besoin de manger. Ok, donc. Il n'y a plus de bouffe. Par contre, on va leur donner à boire. C'est compliqué. À trouver des petites graines par terre. On va pas utiliser le peu d'eau qui nous reste, hein, parce que sinon on va mourir. Je sais pas si ça marche réellement de planter. Ça se trouve, ça donne de... Ah, rentrer. On est rentré avec rien. Il a trouvé un bouffe, putain. Voilà, on peut nourrir tout le monde, on peut vous redonner à boire, mais par contre, maintenant. Aujourd'hui, on a trouvé un message sur le proc, un sacré choc. L'auteur dit nous observer depuis quelques temps. Il a demandé d'envoyer un représentant non armé. On va envoyer la fille, parce que la fille, c'est celle. Je sais pas. Elle est sortie déjà. Ah, elle est revenue. Alors, t'es organisé par des jumeaux, un frère et une sœur. Semble honnête, on a hâte de les revoir. Ils nous ont dit qu'ils savaient où nous trouver, c'est rien. Rien de neuf, rien de neuf. Peut-être la faim, on n'a plus rien à donner à bouffer, on n'a plus rien. Dit qu'elle peut le faire. On va envoyer Timmy. Hein, qu'elle ne viendrait pas, du moins pas tout de suite. Nous avons demandé à tous les habitants de les aider à couper les arbres dans le parc d'à côté. Si c'est le seul moyen d'évacuer. Écoutez, on va aller faire une déforestation. On va passer en mode The Forest. Allez, on va aller couper des arbres et puis on va construire une cabane dehors. Ça va pas marcher, mais putain, on a bouffé. Dommage qu'on ait cassé notre hache en coupant ces arbres. Putain, la hache. Ouais, il n'y a que tête qu'à faim et comme j'ai plus de. Alors, on va envoyer. J'ai dit qu'on allait envoyer Timmy. C'est vrai qu'on a le masque à gaz, ça c'est plutôt cool. Par contre, l'étagère elle est vide derrière. Ça va être compliqué, on va perdre avant le jour 40. Il reste un peu d'eau, putain. Ça va être compliqué, il va falloir qu'ils tiennent. Se tenait dans nous l'un d'eux d'un cheval au galop. Ils aient être en coup d'une. Ils veulent jeter un coup d'œil à nos quatre. Bah, putain. Ça se trouve, on l'a voulu, c'est con. Ou ils vont peut-être nous donner quelque chose. J'espère. Non, on a toujours notre carte. Pas l'impression. Ah! Il fallait le coup de les aider dans leur quête. Ils nous ont généreusement offert une hache. Ah, c'est cool ça. C'était une hache de bataille magique. Peu importe, du moins que la lame est tranchante. Plus on va crever avant. On va utiliser ça pour éviter d'avoir des gros cafards radioactifs dans la. Je pense qu'on va perdre juste avant le jour 40. À moins qu'ils reviennent le lendemain. C'était moins une, un nid d'insectes fluorescents aurait pu suffire à nous faire déguerpir d'ici. Les cafards sont les pires insectes au monde, et que dire des cafards radioactifs? Hein? On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Ouh, putain, j'espère que tu vas arriver très vite, Timmy, avec de la bouffe ou à boire. Jeter un coup d'œil dehors pour voir s'il est piscine. Mais à peine sorti, nous avons entendu un grognement. On va utiliser la lampe. Ça doit être des rats butants. Ah, bah, malheureusement, on a perdu. On a essayé de voir ce qui nous menait. C'était un chien. La pauvre bête avait l'air fatiguée. Et que nous, le lendemain matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il est pas revenu depuis. Quand Marie-Jeanne a appris qu'on n'aurait pas rien à boire aujourd'hui, elle était prise d'un accès de fureur. Elle est sortie de l'abri en hurlant qu'on allait le gratter et qu'elle allait trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. Timmy devait être de retour. Nous pensons au pire. Il est bien possible qu'il ne revienne pas. Ah.
Si seulement il lui restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. N'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours, telle est morte de déshydratation. Ah, 38 jours. Muet comme une tombe. Vous voyez, après, on a le... 4 pattes, c'est mieux. La soif a eu raison de Marie-Jeanne. Timmy n'est jamais rentré. Dolores est morte de déshydratation. Ted est... Mon Dieu. Et ben, malheureusement, nous avons perdu au 38e jour. Et je pense pas que je vais m'amuser à refaire le 38e jour. Donc, j'espère que ces petites vidéos sur 60 secondes to survive vous auront plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, waka waka.